Quand vous lisez un livre et que la page devient toute blanche au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, c'est un état d'hypnose. Quand vous lisez une facture avec un gros chiffre en bas, ça c'est une mauvaise nouvelle. Pas avec moi, on fait pas la poule et le canard sur scène avec moi. Tout nu, c'est avec moi, mais dans la loge. Et pour le reste, ça sera pire. Voilà. Oui, c'est moi. Je t'appelais là, j'ai gagné au loto. Mais je m'en ai fait un tour du monde. Pas avec toi. Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Écoute bien le son de ma voix, ferme tes yeux. À partir de maintenant, la poule, elle pond des noix de coco. La poule, tes yeux. La poule, elle pond quoi? Eh ben oui! Non, là, la poule, elle pond, elle a un fion comme ça! Comme un poil, elle marche comme ça, la poule! Allez, on regarde, pour une omelette, il lui faut 10 poules! C'est mon choix, derrière moi, j'ai hypnotisé, vous savez, la fille qui avait la phobie des cafards, vous savez? Je suis comme une bonne journée, ok! Ouais, allez, bon. Alors, pas comme les autres hypnotiseurs, hein, je suis hypnotiseur de spectacle. Je vous préviens quand même, j'ai un humour qui est trash et j'ai parfois un humour qui est décalé. D'accord? Si vous pensez que c'est trop trash, dites-vous que c'est décalé. Hein, comme ça, c'est pas mal.